Alors bonjour à tous. Alors dans le cadre de la rubrique épinglée, apparaître dans mon argent donc ce samedi avec l'Écho, eh bien nous avons le plaisir de recevoir Roger Van de Velde, qui est responsable des investisseurs, des services aux investisseurs chez Delta Lloyd Bank. Alors comme vous le savez, dans le cadre de cette rubrique, eh bien un analyste ou un gestionnaire propose 5 valeurs pour les prochains mois. Alors Roger Van de Velde, vous proposez une valeur bancaire. C'est un petit peu étonnant vu le contexte de la crise du crédit aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette valeur qui est grecque, je pense, hein? Oui, certainement. Grâce à un nombre d'acquisitions et à une croissance interne, elle est devenue la quatrième banque en Grèce après National Bank of Greece, EDF et Alpha Bank. Elle profite de la croissance économique favorable dans cette région et aussi par la croissance économique, il y a beaucoup de questions des crédits pour des PME et aussi des particuliers. Quelles sont les perspectives d'un point de vue de la croissance bénéficiaire pour cette banque grecque? On prévoit une croissance de leurs bénéfices par 29% pour les années qui suivent jusqu'à 2010. Alors, on compte maintenant 11,7 fois ses bénéfices, alors je pense que c'est encore attractif d'investir là-dedans. Donc on peut dire que cette valeur est relativement attrayante d'un point de vue de sa valorisation, alors qu'elle n'est pas trop élevée par rapport à ses perspectives. Si vous voyez la performance de l'action, jusque maintenant, on n'a pas eu une correction, c'est-à-dire c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas une exposition pour les crédits. Et c'est la croissance qui compte là-bas et c'est certainement une valeur de croissance qui doit être dans un portefeuille. Roger Van de Velde, merci beaucoup pour tous ces commentaires. Nous retrouverons bien entendu les autres valeurs, les 4 autres valeurs proposées par Roger Van de Velde dans Mon Argent, donc à paraître samedi avec l'Écho. Merci à tous.